reprendre confiance dans l'institution de la police que nous avons là. Effectivement, directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, confirmé qu'il y a 4 policiers qui en isolement, il y a 3 qui en maison conservatoire, 3 policiers qui commettent action ça. Léon Charles fait qu'on est la police judiciaire déjà tant des membres, familles victimes, non, dossier après à le transférer dans le paquet Nandes. En côté des directeurs général AIPNH, non, Léon Charles, pour plus de détails. Après un appel qui était lancé par des pèlerins, qui t'appelait Saint-Raphaël, à bord de plusieurs bus, il y a un jeune garçon qui montait dans un bus. Et un patrouille composé de plusieurs policiers de l'UTMO et des policiers administratifs, t'es fait une intervention pour t'es fait que l'individu ça descende de bus là. Malheureusement, un incident regrettable t'est venu passer. Et c'est incident ça que nous tous avons regardé sur les réseaux sociaux. Pour qu'on y ait, police judiciaire du Nord, déjà, tant des membres de famille victimes. Et division, inspection générale du Grand Nord, guette en prend, charge dossier. Et jusqu'à minute ça, 4 policiers placés en isolement, des mesures conservatoires qui prend contre l'autre. Selon procédure qui est établie dans le cas de flagrance, dossier 1 pourra le transférer dans le commissaire gouvernement zone pour les suites judiciaires. Sur le plan administratif, l'autre sanction apprend contre les policiers. La direction générale a déploré de tels comportements. Et comportements ça qui est indigne, pas fait honneur à l'institution, dont respect droit de l'homme constitué un principe fondamental qui doit guider les policiers dans le travail qu'ils ont fait. La direction générale a présenté ses partir à la famille M. Simeon Pegui qui mourit après qu'il ait arrivé à l'hôpital. PNH là a défendu tout policier qui est victime d'un exercice fonctionnel. Mais tout l'a sanctionné, tout policier qui fait genre de acte qui n'est pas correct. Ça. N'a toujours été sous même dossier ça nous pas ensemble avec ce sénateur nord-est Jean-Baptiste Bien-Aimé qui confirmait Peggy Simeon t'est fait déporter sous frontière dominicaine au niveau Wanamet samedi passé à Sion ONG qui t'est balé un petit côté pour te passer nuit là dans demain il t'a passé prend ou libre sous tête bus là on s'est parlementaire faire qu'on est cadavre là pour qu'on y a dans cette santé Wanamet là il est déjà metté avocat disponible pour famille victime là en côté ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé Namiko Romanès ce samedi. Éléments sont monde qui sorti en République Dominicaine qui rapatrié de la République Dominicaine de Santiago selon toute information que journaliste radio analyste Obay monde ça sorti en Dominicaine rapatrié mais ils ont poussé dans la frontière hein, la nuit. Nous voulons que nous comprenions les entrées arrêtées vendredi pour arriver samedi matin. Eh bien, M. Pagé 50 nommés, c'est dans une situation difficile. C'est grâce à la solidarité frontalière, solidarité sur l'institution jésuite, qui payait un petit hôtel pour lui côté pour l'autre. Dans deux mains, il y a 12 bus qui ont dirigé vers Saint-Raphaël, qu'on est passé au Cap. Famille habitait au Cap, il a besoin de joindre le Pagé Cob. Seule erreur qu'elle fait le battement d'autorisation, elle monte sous tête d'une ambition. Mounio missionnaire qui paniquait, et comme ils paniquaient, ils relaient la police. Missionnaire pas relaient la police pour ni battre ni courriel. D'ailleurs, c'est même l'église catholique qui était assistée pendant qu'elle était en difficulté. Eh bien, élément ça, la police est arrivée, et bien qui ça a offert, c'est qu'ils ont monté en l'air, nous voyons l'image là au point de vol, puis la terre. Malgré que les gens qui sont missionnaires qui disent que c'était un comportement qui partait, et correct, parce que quand il descend, il va venir descendre, et même les policiers ont voltigé la tête. Mais en nous clair que lui a été fait descendre, mais c'est battre avec bâton bisbol juste au tuyau là. Ça, lui, pas normal, c'est vraiment un crime odieux. Communauté Wanamet est là. Répudier, Nord-Est répudier, nous-mêmes tous nous répudier, c'est ça qui fait nous faire contact avec l'organisation de l'Union. Nous parlons avec Mario Joseph dans le bureau avocat international pour faire une assistance apparente pour permettre de nous poursuivre non seulement policiers
et que yo poursuivre police nationale là qui assassine monsieur. Gagnant toujours avec ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui lui-même t'a profité occasion pour critiquer l'autorité qui pas fait rien pour défendre droit haïtien dominicain yo envoyé tourner chaque jour sans respecter accord qui était signé entre deux pays yo en cause ça t'est interdit autorité dominicaine yo déporter haïtien par pile à pas paquette dans nuit surtout sans assistance en côté pour une deuxième fois ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Bon, normalement c'est toujours gagné tendance ça. Dominique est toujours en tendance à respecter nous. Mais cependant, moi, je trouve que nous ne jouons pas, nous avons la vie de mal. Nous disons le pire, pas de quel respect. Parce que si nous disons que aujourd'hui, 10h, 9h, 10h, selon toutes les informations que nous avons, c'est le SAA, nous voyons à un groupe haïtien, c'est pas lui-même seul. Et c'est chaque jour, ça a fait. Il y a voyé haïtien la nuit, il n'y a pas tant d'immigration pour dire que nous recevons, ou mettre le fait n'importe quelle quête dans l'immigration, il y a tout, il n'y a pas tout courant. Il y a tout, il n'y a pas connu, parce qu'effectivement, il n'y a pas connu. Mais cependant, l'autorité dominicaine, il pas qu'à rapatrier haïtien aux heures de la nuit. Maintenant, il y a côté autorité haïtienne, côté ONM, côté Mounpanou. Et maintenant, il existe. En par exemple, il y a ONM qui existe. ONM obligé, mais pour le cas agir, il faut que le courant. Qui est-ce qui peut informer? C'est le consulat d'Haïti à Darabon qui peut informer l'autorité ONM. Le boutique qui a un rapatriement qui va le faire. Et puis, pour le cas contrôler, nous nommons mon coronavirus. Et l'autorité sanitaire est supposée là pour prendre attention, pour contrôler est-ce que nous avons attaqué et corona. L'État est supposé présent. Est-ce que mon gabinet va représenter une sécurité pour le pays? Et bien, qui n'aime pas de personne, monde qui pose une question. L'État pas existé. L'État pas existé. Voilà, ça c'est déclaration, c'est sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, lui-même qui t'a répondu à une question collaborateur nous Romanais samedi pour ailleurs mercredi à l'émission Boost. Nous sommes toujours sous même dossier ça, gain office protection citoyen OPC qui les même met en note pour la presse de Yo suite avec sa qui rivia Peggy Siméon qu'elle traduit l'irélé yon mort violente, mort violente ça veut dire la condition que Peggy Siméon est mouri à lui-même. Mais Office Protection Citoyen, institution nationale indépendante qui a fait promotion et qui a protégé droit monde, il rappelait ça. C'est institution nationale indépendante qui a fait promotion et puis protéger droit monde. Il mettait ça dans notre ça parce qu'il n'y avait pas de contrôle métal, mais qu'on a remetté ça. Il exprimait ça avec l'indication, sud avec la mort violette et citoyen ça, puis Guy Siméon lui-même, qui est fait dans la date qui était dimanche 9 mai 2021, dans la ville Wanamet, qui trouvait dans le département nord-est. Selon l'information que communiqué par représentant OPC dans la région et qui est disponible sur toutes les réseaux sociaux, Peggy Siméon, c'est un monde que agent Lotsa yo maltraité yo bali sérieusement et agent policier sa yo qui yo même qui commet Zaksa qui maltraité Peggy Siméon et quelques heures plus tard, après quelques temps, qui t'a pas le grand essoufflé dans l'hôpital qui trouvait dans la ville Wanamet. Et responsable OPC au fait qu'on ait gagné plusieurs versions. Il y a plusieurs paroles qui viennent dire par rapport avec sous la mort et face aux policiers t'a maltraité et martyrisé Peggy Siméon. Mais circonstance arrivée à livre vraiment regrettable et il révolté conscience en pile monde et yo même tout nan et OPC qui c'est Office Protection Citoyen. OPC rappelé que comme monde physiquement li inviolable. Ça veut dire ou pas qu'a faire n'importe qui bagarre n'importe qui gens avec comme monde. Pour qui ça OPC dit ça, c'est par rapport avec Jean policier après la gueule en bas et puis Jean entre avec combattant baseball là comme si baseball l'a joué, l'a poussé M. coup de bâton. C'est vrai qu'on a l'autre vidéo sur l'autre angle qui montre que côté et Peggy Siméon a un comportement tout qui peut-être pas trop bien que ça, mais en plus le monde dit tout. Si pas de force proportionnelle avec agent l'audio qui prend formation dans l'académie, sous qu'a été monté de machine nan, ou ballon de baseball ou maîtriser, ça veut dire que t'es caménoté, le pas de baiser, lancer l'en bas. Il y a un monde qui ouais ça tout dans la vidéo, ça tout interprété, le conseil tout, il fait comprendre et tout. Et là, pas de gain, raison tout pour les policiers à te voir l'en bas. Même l'homme, c'était un mauvais comportement tout envers policiers, ça qui est monté sous
de machine là, mais le fait que tu déjà servi un coup de bâton ou maîtriser l'IOBI quelque part ou tu dois maîtriser parce que ou gain formation en plus sous ça. Et bien OPC rappelle que corps humain comme on dit inviolable autorité policière yo qui gain pour mission yo protéger ak servi doit respecter ça les intégrité physique commun moralement tout psychologique tout la vie monde commun tout ça. OPC exige une enquête rapide l'ouvre sous dossier ça et demander pour capable prendre sanction contre policiers mais contre exactement ensemble de policiers qui commettent action violente ça sous Peggy et Siméon. C'est ça capable dans note pour la presse ça que OPC les mêmes écrit suite après suite à la mort Peggy Siméon citoyen ça passé dans ville Wanamet. C'est protecteur citoyen qu'on a Edouville qui les mêmes pour s'y a-t-il en bas note ça pour office protection en citoyen. L'autre réaction dans le cadre de dossier, ça, il y a un porte-parole SPNH 17, là, Domon Sensi, qui t'a réagi sous incident, ça. Mais porte-parole a exigé inspection générale, mais une enquête pour punir tout policier qui est impliqué dans ça. Porte-voix SPNH 17, là, quoi, policier, ça, a un gros problème mental. Un syndicaliste critiqué responsable PNH, qui permettait assistance psychologique pour policiers qui a fait face à un peu de difficultés dans le moment, ça, de côté Domon Sensi. Et maintenant, ce temps, n'a voulu faire nous comprendre tout. Et regardez ces débats qui sont passés en dedans institution hein, qui rendent que nous tous, nous toujours avons dit que moralement, nous toujours avons dit ça dans plusieurs interventions que nous faisons. Nous toujours avons dit que moral policier ou à zéro, nous avons regardé ça qui est passé 12 mars là, et après 12 mars là, continue des crimes qui ont fait continuer des policiers qui ont tombé. Nous avons demandé est-ce que ce n'est pas santé mentale policiers qui attaquaient. Est-ce que les policiers n'ont pas de problème? Les policiers ça yo, qui étaient venus faire intervention ça. Est-ce que ça des policiers qui ont un problème mental? Parce que on peut comprendre que on n'est pas représenté en quel danger pour vous. Et pour prendre pour traiter de la sorte, pour prendre pour utiliser pour force ça. Je vais demander une test nous ça demandé et nous toujours demandé en dedans institution pour gagner une section qui gagne des psychologues là-dedans qui pour approuver policiers pour garder pour comment ça y est comment santé mentale yo y est et n'a demandé tout policier ça qui tabagien qui c'est faut nous ta aller dans profondeur pour connaître passé policier ça, qui est ce policier? C'est pour un policier qui te fait prison déjà. Et c'est pour un policier avant d'entrer dans l'institution, qui comportement qu'il te gagne dans le quartier, dans la zone de la calée. C'est pour un bandit habillé sur une femme violente. Donc, bagaille, ça lui vraiment dérangé nous, Libanon. En pile problème, et nous condamnons ça là, et nous demandons avec une session générale pour prendre des mesures drastiques, pour les capables de corriger ça. Non seulement pas corriger, et puis c'est fini avec ça, mais faut ça répéter encore. En dedans institution, c'est une institution qui charge mon set, il y a un pile de risques, va peut-être la donne, parce que chacun a une éducation qui est différente, chacun a un côté qui est sorti, chacun a un gens qui comprennent, et société a un gens qui comprennent bagaille. 6 heures. N'avancer avec information, gain secrétaire d'État à sécurité publique qui a annoncé une série d'activités dans l'idée pour chercher plus bon formule intervention pour combattre le kidnapping dans le pays. Secrétaire d'État sécurité publique la France, Sébastien Jean-Charles, t'a profité, démenti information qui t'a fait croire c'est négocier autorité concernant négocier avec Bandio pour nous dire bien, monsieur Village de Dieu, ensemble avec Gravigno, pour capable de poser dans la question de kidnapping et puis action à commettre sur Bicentenel. On suit un reportage avec un collaborateur, nous, Alix Gauthier, sous dossier ça. Malgré Gagnon annoncé pause, autorité n'a pas décidé de faire back devant bataille à mener pour éliminer kidnapping dans net allé dans la société. Dans ce sens, secrétaire d'État sécurité publique là, Franz Sébastien Jean-Charles, annoncé une série colloque forum, une façon pour brasser l'idée pour joindre plus bonne formule pour attaquer Gagnon. Le bureau envisage en outre la mise en place incessamment d'un espace de concertation avec d'autres acteurs étatiques et des membres de la société civile pouvant favoriser l'émergence de nouveaux modèles d'intervention en vue de faire face à l'évolution des différentes problématiques sur le kidnapping. En pile question à poser, pour qui c'est après trêve bandio, autorité ou paraît tête yo? Secrétaire d'État, Captain T. Defend Tetli, précisé, il a commencé le travail avant même, Bandi a décidé de prendre pause là.
C'est pas coulier que le gouvernement a annoncé que le voile bataille contre l'insécurité et le kidnapping. Bataille, ça a déjà existé. Gouvernement, le président de la République, le premier ministre et tous les autres acteurs concernés par la question de la sécurité publique, ils ont tous déjà des pieds à terre. Nous tous déjà à travailler en synergie pour nous adresser la question de sécurité et particulièrement le kidnapping. C'est pas coulier le gouvernement a adressé ces problèmes-là. Nous sommes toujours à adresser ce problème dans toutes dimensions. C'est pas pour rien. France, Sébastien Jean-Charles, t'es profité de menti information qui t'a fait quoi? Bandit, t'es recevoir gros l'argent pour faire bac sous kidnapping. Nan. Dans la foulée de tout ce qui se passe dans le pays, beaucoup de choses se disent. C'est MDDR, c'est une commission qui travaille avec différentes entités dans l'État hein, pour arriver à trouver des solutions aux différents problèmes. Mais tout le monde connaît que le président de la République, M. Jovenel Moïse, le premier ministre AI, son excellence, le docteur Claude Joseph, c'est des personnages avertis. Nous sommes un État souverain, régalien. Il y a des actions et des mesures en cours pour nous juguler tous les problèmes liés à l'insécurité généralisée. C'est vrai, depuis après, ISO, si l'appli fin annoncé, il y a campé sous kidnapping nan, pour qu'il y ait un nouveau cas qui signalé dans la zone métropolitaine. Nan. Mais citoyens ont toujours été vigilants parce que personne ne connaît qui date trêve ça à bout. Est-ce que l'autorité a tout profité de résoudre le problème gang qui gagne dans tout le pays? Il y a un dossier à suivre. Alix Gauthier, Radio Omega. Merci en pile Alix Gauthier, côté gain secrétaire d'État à sécurité publique là, Jean Chaudier à la France, Sébastien Jean-Charles qui a annoncé là. Mais autorité concernée, yo avancé sérieusement, garder comment capable finir avec sa nette cousée qui n'a pris dans le pays hein, et pas d'aller profiter des menti informations qui t'a fait croire que c'est yon entente, c'était chita parler, c'est négocier que autorité concernée, yo t'a négocié ensemble avec monsieur Village des Dieux. On a même obligé mettre monsieur de comprendre. Waouh. Et puis, petit appli qui n'a lui-même qui n'a tête coupe armée là qui en dans un grand ravine qui t'a fait opposer, on font y poser là. Mais Sébastien France, Sébastien Jean-Charles dit non, pas gagner sa pièce, c'est l'État pas gagné pour le Téchita, mais pas Chita balance avec un bandit d'après sa France. Sébastien Jean-Charles lui-même dit en bas, mais la police qui t'a supposé protéger et puis servi. Autorité policière ont déjà identifié tout policier qui impliqué dans Zak Maspina et à Soupegui Siméon. Quatre là-dedans ont déjà placé en isolement d'après directeur départemental Nord-Esla, Fritz Saint-Fort qui retournait sous incident ça, qui sale image institution policière là. Reportage Jean-Philippe Massir. Image, je t'ai couru sur tout réseau social. Jeudi mardi 11 mai, la police cap malmené un citoyen. Pral nan deux pieds sous tête yon bus, voye l'en bas, yon l'autre policier recevra la quelques coups de bâton baseball. Ça t'a pral pi grave toujours, les tout pour n'pas prendre. Citoyen ça t'a rend dernier souffle l'hôpital Wanamet là. Ça qui soulevé colère en pile monde sur internet là. La police nan pi haut niveau déjà saisi des dossiers ça. Directeur départemental Nord-Est là, Fritz Saint-Fort a tenté porter certaines explications. Sur l'incident, ça. Environ 14 bus samedi dernier, qui a quitté Wanamet pour aller chez Raphaël. Et malheureusement, il y a un autre citoyen qui n'a pas fait partie de l'équipe Mounsao qui a organisé l'activité, qui est monté sous deux lieux dans le bus. Et ça a paniqué, et les gens qui n'ont pas compris qui est le monde, on est dans la situation de sécurité que nous avons dit là, et nous avons fait appel à la police. Pour la police, qui est capable de maîtriser Mounsao parce que toute tentative de faire, même pas du patrimoine, il maîtrise les pour faire quitter deux bus là. Et c'est ainsi que la police à Wanamet, le commissaire Wanamet a touché des informations et allé à côté secours à Mounsao dans le bus, etc. Et les policiers ont été arrivés, c'était là-dedans, qui oubliaient le principe institution, passer derrière tout ça, ont été appris à l'académie pour maltraiter Peggy Siméon. Ils sont arrivés aux citoyens, effectivement, mais des rois. Et qui a tourné sous les réseaux, montré donc que, et comportement inapproprié de certains policiers, et qui partaient maîtriser sans froid, ils partaient maîtriser l'émotion, et qui vivaient dans les spectacles. C'était Debakop, commissariat Wanamet, qui était impliqué dans l'incident. Ça, majorité là-dedans, c'est Idmo, quatre dans messieurs ça, déjà placé en isolement, après suite enquête là. D'abord des mesures internes, des mesures administratives, côté que, et éléments ça yo
yo privé yo de badge d'identification policière yo et yo privé yo tout de examen de service yo et gen quatre là dedans que l'inspection générale au niveau du plan nord placé en isolement et nous va continuer et travailler de concert avec l'inspection générale pour dire que l'autre est policier et qui a fait objet d'audition et nous capable conclure à et fixer responsabilité chaque élément dans situation qui peut. Fritz Saint-Fort reconnaît image la l'aide pour institution qui déjà fait face à quand pile difficulté. Cependant, directeur départemental la regrette incident ça arrivé dans un moment policier dans département a suivi formation sur droits humains et technique intervention dans cadre programme formation continue responsable yo mettez sous pied. Ça qui arrivé là, il est regrettable certes, mais il faut nous rassurer tout le monde que la police nationale au plus haut niveau, pas jamais suspendre, rappeler à policiers à travers des séances de sensibilisation et de formation continue, auto-obligation que vous avez pour appliquer et les règles déontologiques de la police. C'est pas premier acte regrettable, policiers commettent dans le dernier temps ça. Si tous les ap intervenir dans le mouvement protestation, il y a une série d'incidents qui ont sali l'image de la police, là, puis plus toujours. Il y a une institution qui a fait face à toutes qualités et difficultés. Tant que les policiers sont capables d'abandonner pour mauvaises conditions de travail, sans compter l'autre, ils ont dit que la guerre dans un banditisme, vol, kidnapping et la trier. Il y a une situation qui poussait un pile l'observateur à demander est-ce que l'institution ça n'a pas mérité de boisser. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. 5h45. Merci, un peu le massé, on va mentir vraiment. Un peu le problème dans la police, non? Et un peu le problème, récemment, il y a un SKL, Sotkar Lévesque, qui lui-même t'a présenté un rapport sur, n'importe presque deux l'année, il fait, il a enquêté sur le fonctionnement institution de la police, non? Il y a un peu de données qui ont été présentées, monsieur, certains m'ont présenté un reportage avec ça. Mais un peu le monde, je dis, a vraiment quoi que faut que il a capable de garder dans quel niveau pour permettre que la police, non, et que la population capable reprend confiance dans la police, hein, parce que je dis à là, en pile monde perdit confiance dans la police. À longtemps, là, on était en policier, ou t'es vraiment content sans tourner en peau, parce que comme policier, on a assuré en sécurité, côté là, mais je dis à là, en pile monde dit là, on policier, bon, on est en uniforme, pas mec qui me dit ça, on est en uniforme, et je dis à, et sincèrement, lui, en vie courir, il y a je dis à qui puisse, quand il y a à l'aise, là, on est qui gagne amis illégal, là, même qui est policier. Bon, là encore, c'est des situations que, faut que, recommandement PNH, ça t'a capable de garder niveau pour permettre que la population dit même